Vous sentez ça? Il prépare des cookies à la cantine. Miam! N'écoute pas ce que dit Cameron, Greg. Et si on se mettait au premier rang? Ouais! Mais les marionnettes, elles ont disparu. Quoi? Désolé, les enfants, on ne peut pas faire de spectacle de marionnettes sans marionnettes. Oh! Un papy nuit, c'est encore un coup de sorceline. Pyjamas, on a un nouveau défi! Les soucis pour les règles de la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Ha ! Greg devient... qu'on retrouve ces marionnettes. Tous au chabolide! C'était quoi ça? Il n'y a plus personne! Dansez, petite marionnette, dansez! J'ai trouvé les marionnettes! Attends, faut d'abord aller voir ce qu'on a failli écraser en arrivant. Vous n'avez qu'à y aller, vous. Moi, je vais rester ici regarder les marionnettes. Je veux dire, arrêtez sur Céline. Glu glu reptile au camouflage. J'y crois pas, mais c'est Cameron! Oui, il est somnambule, il dort debout parce qu'il rêve en même temps qu'il se balade. Faut qu'on le ramène dans son lit. Oui, mais on ne peut pas utiliser ton yo-yo rapido ni mes ailes de la nuit. On risquerait de le réveiller et de lui faire un choc. Rends-moi ces marionnettes, Sorceline! Cours toujours, cuisse de grenouille. Papy Nuit, montrez-lui ce que vous savez faire. Hé, c'est pas marrant. Moi, je trouve que si. C'est le spectacle de marionnettes le plus drôle que j'ai vu. Bien joué, tête de tétard. Alors, voilà ce qu'on va faire. Hein, Gluglu? Gluglu, est-ce que ça va? Ouais, mais attrapez les marionnettes. Pyjamasque, à la rescousse. Yo-yo, rapido. Papy Nuit à l'attaque. Bibou, tornado. Mais qu'est-ce que vous faites, les Papy Nuit? Beau travail, les pyjamasques. Les marionnettes vont bien? Ouais, mais pas Cameron. On l'a laissé parce qu'on croyait que tu étais en danger. C'est qui Cameron? J'essayais seulement de récupérer les marionnettes. Qu'est-ce que Cameron fait là? C'est qui Cameron? En fait, il est somnambule. C'est qui Cameron? Faut qu'on l'aide à rentrer. Oui, il a plus besoin de nous que les marionnettes. C'est qui Cameron? Je parie qu'il fera une super marionnette. Elle va le réveiller. Faut l'arrêter. Ça va pas de jeter les marionnettes par terre. Elles sont trop jolies pour être abîmées. Allez, les petites marionnettes, dansez un peu et saluez mes amis. T'approche pas, Sorceline. Faut jamais réveiller un somnambule. Qu'est-ce que t'en sais que je vais le réveiller? Moi, ce que je sais, c'est que je vais jouer avec lui. Viens avec Sorceline, petite marionnette. Non. Poussez-vous de là. Glu-glu, pousse tes marionnettes et viens nous aider. J'arrive tout de suite, les amis. Par ici, petite marionnette, il faut que je vous laisse. Mes copains ont besoin de moi. Maintenant, il est à moi. Bibou, aile de la nuit. Yo-yo, astro-maçon. Viens par là, la marmotte. Voilà, vous êtes très bien là. Attendez-moi tranquillement, je reviens. C'est bon, j'arrive. Vous avez vu?
On dirait un vieux dinosaure qui ne sait même pas marcher. Un dinosaure qui ronfle. Je vais l'appeler... Ronflosaure. Sœur Céline se débrouille plutôt bien avec sa nouvelle marionnette. Glu glu, il faut absolument qu'on récupère l'aimant lune de Sœur Céline, mais sans réveiller Cameron. Elle n'aurait pas mis la main sur lui si tu n'avais pas passé ton temps à jouer à la marionnette. T'es avec nous? Oui, bien sûr. Désolée. Ok, prêt les pyjamasques. Bibou Tornado. Attention à ta tête, Sœur Céline. Lâchez-moi les papy nuit. Mon aimant lune. Rendez-le-moi. Hé, Cameron, il est temps de retourner au lit. Mais... comment il marche ce truc? Glu glu, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre Cameron à l'abri. Regardez ça. Je suis un ronflosaure. Je retourne dans mon lit. Par ici. Oups. Désolé. Par ici. Arrête de jouer au pantin. C'est bon, je gère. Je m'occupe de Cameron et des marionnettes. Sois tranquille. Je vais lâcher. Glu glu, arrête de prendre Cameron pour une marionnette. Mais tu vas lui faire mal. C'est bon, je te dis, je vais le mettre à l'abri. Suivons-le. Par mes écailles. Je ne suis pas sûre qu'il soit en sécurité. J'arrive pas à l'arrêter. S'il tombe de là, il va se faire très mal. Ouais, et il va vraiment finir par se réveiller. Peut-être le faire descendre. Oh, ça ne va pas marcher. Je peux pas l'approcher. Nom d'un hibou déplumé. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas joué à la marionnette, Cameron serait déjà à l'abri dans son lit. T'inquiète pas, Gluglu. Il faut juste le faire descendre. Prends ça. C'est l'heure d'être un vrai héros. Gluglu, méga bus. Ça y est, je l'ai. Hey, Papy Nuit, ramenez-moi mon aimant lune. Par ici, le ronflosaure. Tu y es prêt? Ha ha!
trouvé une super cachette pour son aimant lune. Elle va passer un bon moment à le chercher. Bon, maintenant il faut remettre le ronflosaure au lit. Pyjamasque, on crie hourra. Oh, désolé, j'arrête de jouer avec ça. Cette nuit, on a réglé les tracas. Hé, Cameron, tu fais quoi là? Rien, en fait, c'est pas si facile que ça. C'est clair, attends, je te montre. Vous avez vu? Avec lui, ça marche. Ouais, et ça sent bon les bons cookies.